C'est pas une cité. Hein. Comme le gardien l'a dit, c'est une résidence et je valide. C'est pas une cité. C'est une résidence. On est posé au calme tous les jours. Dans une cité, t'es pas posé au calme tous les jours. C'est pas Saint-Denis. Hein. Bah oui. C'est calme. C'était avant. Maintenant, c'est bon, c'est posé maintenant. Bah ouais, c'est cool. Faut pas faire les voyous pour rien, tu vois. Faut rester tranquille, avancer. T'es trop bête. C'est vrai, ma gueule, voilà. D'accord. C'est vrai, voilà. Je vais arrêter de parler, je vais partir, moi, parce qu'on m'attend vraiment. Et là, je vois en vert, là, je sais pas pourquoi. Ils sont bizarres, tes lunettes, pec. T'es à part dans le sport, jamais la mairie m'a fait un truc pour toi. Ils ont mis de l'argent dans un synthétique, on n'a pas le droit d'y aller, nous. Ils ont détruit tous les parcs de la cité. Ils ont mis un terrain de tennis où la tête d'homme faut rouler en X6 pour entrer dedans. Il n'y a personne rentré dedans. Il faut mettre des chaussures à 200 euros pour rentrer dans le terrain de tennis. Alors, les loyers sont à 40 euros ici. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas pour nous. La tête d'homme. Ouais, en vrai, ils sont forts. Ils sont forts. C'est pas. Ouais. C'est impressionnant, franchement, il n'y a rien. Il n'y a rien pour les jeunes ici. Le parc pour les enfants. Je te vois là, ils sont en train de faire le parc que maintenant en plus. Quel parc? Mais ils vont casser de l'autre côté. Ils font un parc, ils vont détruire la cité. Ah ouais, c'est vrai, ils vont détruire la cité. Ils vont faire des nouvelles résidences. Moi je vais quitter, je vais habiter à Noisy, Rony, ça va me faire du bien. Ils vont casser la cité, ils vont faire un nouveau parc. Ah ouais, mais c'est vrai, ils vont casser la cité. Ouais. T'as pas vu, ils ont mis un terrain de tennis, ils vont faire des nouvelles résidences. Terrain de tennis, casser la cité, parc tout propre. Ce sera pas pour nous, ce sera barricadé, il y aura des barrières, ils sont forts. Et nous on va rester là, les pauvres lobdus là, avec notre stade en gravier. Voilà. Vous voulez qu'on fasse quoi? On va faire des manifestations? Ah, on va avancer, hein? De toute façon, on peut pas être là, sinon, disons, celui-ci, autant aller braquer Rolex. Ah, j'allais finir ton. T'as capté, c'est ça. Non, faut travailler, avoir une famille. On peut pas décider, c'est Dieu qui donne. Et toi, le chat, tu te vois où dans 10 ans? Pour moi, c'est être bien financièrement et avoir une famille. C'est ça la réussite. Et toi, c'est quoi la réussite pour toi? Pour moi? Ouais. Je sais pas, la réussite, c'est tant que je suis bien avec moi-même. Tant que je suis bien, j'ai réussi. T'as vu? Ma veille est stable, je suis bien. Je ne demande pas plus. L'argent, ça arrive. Dans toutes les écoles d'ici aux alentours. Et à chaque fois, quand je rentrais des cours, je venais au parc. On jouait à chaque fin des cours, tous les jours, tous les soirs. Même le week-end, on venait, on passait la journée en bas dans le parc. On mangeait même pas le midi, des fois. Depuis mes 2 ans, j'habite ici. Après, si je descends, j'aurai des amis quand même en bas, donc je pourrais jouer quand même avec eux, mais c'est moins intense que quand j'étais petite. On se pose moins dans le parc maintenant parce qu'il n'y a plus rien à faire dans le parc. Donc on sort, on marche et dans les alentours d'ici. On parle des gens de la cité, on parle des bâtiments. D'où est-ce qu'on va habiter plus tard, on parle. J'aurais préféré habiter dans une maison, mais on est né, on habite là, donc on reste là. Les gens qui traînent en bas des bâtiments, en vrai de vrai, ils sont là en même temps, ils protègent la cité en vrai de vrai. C'est même pas, ils sont là pour faire du mal aux gens de la cité, ils protègent la cité. Ils défendent la cité, ils défendent les enfants de la cité, ils rigolent avec les gens de la cité, donc après on peut très bien dire que ce sont comme nos grands frères, quoi. On était à l'école ensemble, et du coup quand on va chez les autres, du coup leur mère, ils nous voient, ils nous connaissent, ils nous ont vu jouer et tout en bas avec eux, c'est comme des frères, c'est comme la famille. Demain, ils ont un problème, je serai là. Et vice-versa. C'est la cité qui nous fait garder des liens. Ouais, tout le monde a un peu traîné un peu partout, mais ils dorment où? Ils se réveillent où le matin? C'est ici. On a oublié de dire un truc. Le marchand de glace. Ah ouais, le marchand de glace. Vraiment, il s'arrêtait là. Si. Parce que moi, on l'entendait de loin, j'entendais de l'autre côté, tout le monde. Moi, il était. Après, il s'arrêtait là. Ah oui. Après, il avance de l'autre côté. Demi-tour, il venait, il repartait. Et moi, j'entendais. Dès qu'il était au feu rouge là-bas, tu l'entendais arriver.
Tu l'entends de l'arrivée. Ouais. Alors la piscine, on allait vraiment avec toute la cité. Oh putain, la même. T'es arrivé 2 euros. Mais wesh, combien wesh. 2 euros, bam, tu nous ont viré, wesh. T'es arrivé, t'as. Ils ont viré trop de fois la piscine municipale. Parce qu'à des fois, on voulait pas sortir, ils appelaient la police. Et après, ils nous ont sorti. En même temps, nous, on a toujours eu tout à côté. Tu descends de la primaire à 5 minutes. On descend, il y avait le collège juste là. Tu vois, c'est normal aussi. Après, il y a le centre commercial, un peu loin. Il y a le centre commercial, il est un peu loin. Mais t'as vu, genre, on a l'essentiel à côté. Ouais. Avec l'école, là. Pharmacie à côté. La pharmacie, à côté, on a tout. La poste, la banque. C'est... Après, c'est bien aussi pour les darons. Et toi, à côté. Faut plus trop attention à... Un genre de choses, mais quand on y repense, en vrai, c'est... des trucs, quoi. Amine. Tranquille. Vas-y, monsieur, vas-y. J'ai la dalle faute là. La bécane redémarre sur l'allée, y'a les portes. Dans le bendo, y'a des pertes. Le Skoda qui décote. Dans le métro, y'a des petits qui t'arrachent et qui fuient. Dans ma ville, y'a des gars qui découpent et qui se faillent. Dans mes couilles, le détail, en contrôle, ça détale. Faut pas finir en tôle, faut coffrer tous ces tas. Les balancer des putes et les condés aussi. J'mets une pute dans un tome, j'ai viscère dans un pub. Sur le snap, fais une pub. On court après les thunes. Parce qu'en ce moment, c'est rude. Parce qu'en ce moment, c'est rude. Contrôle devant le bus, ils veulent péter ma puce. Ils veulent péter ma passe. Contrôle devant le bus, ils veulent péter ma puce. Me péter en pleine face, y'a du jack dans ma piste. En ce moment, c'est la poche. J'entends personne qui pousse dans la tête, y'a de la mousse, mais y'a personne qui masse. Viens, viens. Ça travaille fort à la centrale. Sur la compo, j'suis au centre. Ici, on marque pas contre son camp. J'fais du papleur, pas de camping-car. Ça met sa main, ça veut sa part. Alors que toi, t'as rien fait pour. J'entends tout le monde, il veut ses pères. Nous, on rappait déjà dans la cour. Au rond-point, tire sans m'y perdre. J'vois le poteau, je lui dis bonjour. Allez, retour chez le pack-pack. Un Caprice et une Jack-Jack. Il reste un peu, mais des tic-tac. J'suis dans le ghetto, pas sur TikTok. Dealer avec qui on parle pas ching-chong. Malone est gabé comme King Kong. Dans la masse, y'a de la chlata. J'suis au soleil, j'mets les jitas. Depuis petit peu, on fonce dans le top.